à tous, le baron va parler. Votre attention à tous, le baron vous parle. Bon, parlons rapidement du canyon près de la source, où des indigènes errants ont attaqué nos hommes. Ivan, il faut le dire si ça t'emmerde de m'écouter. Les esclaves se multiplient sans qu'on ait à lever le petit doigt. Très bien. Encore fallait-il les récolter avant qu'ils deviennent incontrôlables. Vous voyez ce que ça donne? Des indigènes qui attaquent les dieux du feu. Ils les ont littéralement exterminés. D'accord. Repos tout le monde. Le baron a parlé. Passé si vite. On n'a même pas eu le temps d'arrêter le déchargement. La tempête était pas méchante au départ, mais le vent a forci. Il tanque un peu. On a commencé à rajouter des amarres, mais la passerelle s'est déchirée. Le calme est revenu dans la matinée, mais on n'avait plus de radio. Alors qu'on courait partout pour évacuer les dégâts, l'eau s'est mise à baisser, laissant apparaître des bancs de sable. Dès qu'on a mis les voiles, on s'est échoué pour de bon. En essayant de se dégager, on a violemment heurté les rochers. La seule bonne nouvelle, c'est qu'il n'y avait plus assez d'eau pour couler. On n'avait toujours pas de radio, mais ça changeait rien. Aucun remorqueur n'aurait pu nous tirer de là. On dirait qu'on est tout seul. Et on a plus de pétrole que d'eau autour de nous maintenant. Il n'y a rien sur les ondes. Putain, tire pas, mec! Merci, mon gars. Il n'y a vraiment pas besoin de sortir son arme, ici. Une seconde. T'es un des nouveaux venus? Ceux qui ont un train? Alors entre! Fais comme chez toi, mon frère. Ah, j'ai pas beaucoup de visites avec toutes ces araignées. Elles ont déjà mis en pièces une bonne partie des larbins du baron. T'as de la chance d'être arrivé jusqu'ici en un seul morceau. Quand j'ai fui le gang, je me suis caché ici à regarder ces bestioles pendant des heures. J'ai cru que j'allais y rester, mais en fait, elles ont peur de la lumière. Du coup, je me suis installé. Je gagne ma vie en récupérant le matos de ces abrutis qui se font avoir par ces bestioles. Ils n'en ont plus besoin. Le reste du temps, j'écoute la radio, du coup, je suis au courant de tout ce qui se passe dans les parages. Ces bandits racontent tout à la radio, ils sont tranquilles, personne va les espionner. Les esclaves n'ont pas de radio. Donc, dès qu'ils ont repéré votre train, le baron a mis tous ses hommes en alerte. Il croit que vous venez le buter. À savoir si ce baron a pas une case en moins. Selon moi, c'est un grand malade, pur complexe de persécution. Et ses délires de grandeur. Bon, au final, quelqu'un a bien fini par venir pour lui faire la peau. Et avec style en plus, à bord d'un putain de train. Ok, il avait raison d'être parano. Mais pourquoi vous arrêter à la station? En poussant jusqu'à la porte du château, il serait foutu. Mais le baron pense pas de façon logique. C'est un être trop supérieur pour ça. C'est bien ce qui causera sa perte au final, à mon avis. Ceci étant dit, si tu nous débarrasses de cet enfoiré de baron, tout le désert t'en remerciera jusqu'à la fin des temps. Et moi aussi d'ailleurs. Bon, j'arrête de radoter. Je te laisse te reposer. Prends l'établi si tu veux. Bref, en clair, fais comme chez toi, hein? Je surveille la radio pendant ce temps-là. T'as botté les fesses à des bandits au phare, pas vrai? T'as bien choisi ton moment. Gjul était une épine dans le pied du baron depuis des lustres, à inciter les gens à se rebeller contre lui. Moi, à sa place, j'aurais fait profil bas, vu qu'il n'y a plus vraiment de gens libres dans le coin. Et elle a continué, et ils ont fini par trouver sa base. Et au final, c'est toi qui as rabattu le caquet du baron. Faut croire qu'il avait raison de se méfier de toi, en fait. J'ai capté des infos à la radio. Le fourgon de Saul a été volé. Et ce type n'est pas n'importe quel idiot. S'il avait cette bagnole, c'est pas pour rien. Cadeau du baron, en fait, pour bons et loyaux services. Et le baron fait pas de cadeaux sans raison. Faut les mériter. Maintenant, on sait à qui la faute. Les nouveaux arrivants. Ils en ont après le baron, c'est sûr. Mais ils ont décidé de commencer par Saul. Ils ont sûrement une bonne raison. Ce que je veux dire, c'est, si par hasard t'as cette bagnole, méfie-toi, tous les bandits la connaissent. Et s'ils voient que c'est toi au volant, ils vont pas hésiter à te tirer dessus. Hein. Moi, je pense qu'il a eu que ce qu'il méritait, Saul. C'est le même genre d'enfoiré que le baron, sauf que c'est un minable. tous, le baron va parler. Votre attention à tous, le baron vous parle. Nous faisons face à une situation insolite, messieurs. Lors de la dernière tempête de sable, notre avant-poste des ruines a été attaqué. Il semblerait que ce soit sous camp. Je les ai interrogés à ce sujet, mais ils n'y ont pas. Seulement voilà, certains hommes les ont dû conduire un pourcours de l'avant-poste. Ces étrangers sont complètement imprévisibles. Alors, je vous demande de rester sur le qui-vive. Repos tout le monde. Le baron a parlé.